C'est l'heure de Daniel Morin. Oui, aujourd'hui, les amis, j'aimerais qu'on rende hommage à un homme qui fête ses 38 ans, mais qui est si seul. Bon anniversaire, Florian Philippot. Florian Philippot, un homme qui, jadis, faisait partie de la race des seigneurs, de la race des vainqueurs. Quand on y pense, quel gâchis. Florian, un homme brillant et indépendant qui, après avoir délaissé le sein nourricier de Marine, se retrouva isolé au cœur même de la grande famille des fascisto-paranoïaques. Conséquence 0,6% aux élections européennes, comme Francis Lalanne. Et comme à moins de 3% ne rembourse pas vos frais de campagne, il est sur la paille, le pauvre Flo. Lui qui a connu la grande vie avec Marine, les soirées électorales arrosées au champagne millésimé, payées par les enveloppes destinées aux emplois fictifs d'attachés parlementaires du Front National. C'est fini. C'est terminé. Florian Philippot, 38 ans. Un homme physiologiquement vivant, mais politiquement mort. Joyeux anniversaire, Flo. Bon, après avoir été dans le festif avec la célébration méritée de l'anniversaire de Florian Philippot, passons à présent au domaine de l'étrange. J'ai vérifié, j'ai revérifié. Eh bien, c'est vrai, la grande maison de luxe Saint-Laurent a bien lancé sa ligne de préservatifs. C'est chic. C'est vrai ? C'est con ? C'est vrai ? Mais c'est chic. Alors, ça coûte 2 euros le préservatif, mais... Mais oui, c'est, comme vous dites, c'est cher, mais c'est chic, merde. Soirée mondaine, gala de charité, couronnement, vernissage, mariage, première d'un opéra, clôture du Festival de Cannes, soirée raclette chez Laura Adler. Voilà quelques exemples de rendez-vous auxquels on ne peut se rendre habillé n'importe comment. Malheureusement, votre smoking est au pressing, votre costume François Fillon n'est plus du tout à la mode, votre djellaba est froissé, situation aussi infernale que kafkaïenne. Que faire ? Heureusement, et comme souvent, Saint-Laurent est là pour vous proposer son nouvel accessoire de mode. Accessoire aussi audacieux que de bon goût. Avec le préservatif Saint-Laurent, vous serez chic en toutes circonstances. Porté en dehors du pantalon, il attirera le regard sans choquer la pupille et vous entendrez murmurer sur votre passage oh, « Regarde, c'est du Saint-Laurent ». Les emballages sont à la pointe du chic parisien. Noir pour le soir ou pour un enterrement, doré pour le jour ou un baptême, panthère pour une soirée sauvage ou si vous êtes dompteur, il y aura toujours un préservatif Saint-Laurent pour être toujours en raccord avec l'élégance. C'est méga chic tout ça. C'est surtout méga con. Hein. Et c'est surtout méga cher que vous l'avez souligné tout à l'heure de façon discrète, Mathilde. Lui, le chic, je peux vous dire qu'il s'en fout pas mal. Il s'habille de tout ce qui lui passe sous la main. Ah là là, il n'est pas du genre à claquer son fric n'importe comment. Et Dieu sait qu'il en a. Mamma mia. Je peux vous le dire. Tenez, un exemple pour acheter ses pâtes, il attend les soldes chez Leader Price. Hein. C'est pour vous dire. C'est pour... Enfin bref, vous l'avez entendu râler là, à l'instant. Ah oui. Il s'agit de Nicolas. La mode à petit prix. De Morand, qui en compagnie d'une Madame Léa aussi vêtue de guenilles recevra Stanislas Guérini pour parler vivisection et tapenade.